والحمد لله العلي فنوره في الذكر كالمصباح في المشكات. الله أكبر بكرة وعشية، الله أكبر سامع الأصوات، الله أكبر عالما ومهيمنا، محصي الحجيج وجامع الأشتات. ما كان يخفاه الضمير وهمسة مهما تكن عند اختلاف لغات. الله أكبر مبصر النمل الذي في ليلة سوداء فوق صفاتي قد أبصر الجمع الغفير وإنه ليرى نياط القلب والنبضات. الله أكبر لن تواري دمعة عنه الدموع وخافي العبرات. علم الغيوب وكل حبة خردل ما قد مضى منها وما هو آتي. الله أكبر فاستجب يا ربنا ولتمح عنا سالف العثرات. واغفر لحجاج أتوا شعثا فقد ناجوك يا رحمن بالزفرات. الله أكبر أنت أرحم الراحمين، فاقبل كريما صالح الدعوات، واجعله حجا صالحا متقبلا، والطف بنا في الحشر والعرصات، وتقبل منا صلاتنا وصيامنا برحمتك يا صاحب الرحمات. الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع في يومكم هذا عيدين، يوم الحج الأكبر مع خطبة وصلاة الجمعة، بل قولوا كما قال الأول: عيد وعيد وعيد، صرنا مجتمعة وجه الحبيب وصلاة العيد والجمعة. Chers frères et sœurs, on remercie Allah Azza wa Jal de nous faire vivre ce moment intense, qui est un grand moment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son époque, parce que l'Eid est tombé également un vendredi, il a dit: aujourd'hui, deux jours de fête se sont réunis pour vous. À savoir, bien sûr, ici, le jour de l'Eid et le jour de l'Jumu'ah. Également, il y avait un poète à l'époque qui, le jour de l'Eid, qui est tombé un vendredi, il a dit à sa femme: un jour de fête, puis un jour de fête, puis un jour de fête se sont réunis dans la même journée, le visage de celle que j'aime, la prière de l'Eid et le vendredi. Wal muslimuna fi kulli anha'il 'alam yafrahuna min 'ata'atillah wa tanazzul rahamatih. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فعلينا عباد الله أن نبث هذه الفرحة للمسلمين الذين قد يمنعوا من بعض الذين قد يمنعوا من بعضها لظروف معلومة، وأن نبث هذه الفرحة لأولادنا بهدايا العيد، وأن نبث هذه الفرحة للمرضى الذين حبسهم العذر فلم يصلوا معكم. Les musulmans du monde entier sont très contents de ce jour de fête. Dieu dit dans le Coran, dit: c'est avec la grâce d'Allah et sa miséricorde qu'ils doivent être fiers. Et nous devons répandre cette joie aux musulmans qui peut-être ne la vivent pas comme nous, comme ceux qui sont privés de leurs parents ou ceux qui sont réfugiés politiques ou autres. Également répandre cette joie à nos enfants en leur achetant des cadeaux le jour de l'Eid. Également répandre cette joie aux personnes qui sont malades et qui ne peuvent pas venir à la prière de l'Eid. فَتَرَى هَذِهِ الْفَرْحَةِ فِي الْوُجُوهِ فَيَرَاهَا غَيْرُ الْمُسْلِمِينَ لِيَعْلَمُوا أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ جَنَّةٌ فِي الدُّنْيَا وَجَنَّةٌ فِي الْآخِرَةِ انتظر المسلمون هذه الأيام العشر من شهر ذي الحجة، فمنهم من صام النهار وقام الليل وأسكب الدموع.
Nous voyons aujourd'hui dans les visages des musulmans la joie qui se dégage. Également, cette joie doit se faire voir jusqu'à ce que les non-musulmans voient que dans notre religion, il y a également de la joie. Dieu dit dans le Coran, et ceux qui craignent Dieu auront deux paradis, c'est-à-dire un paradis sur terre et un paradis dans l'au-delà. Les musulmans ont attendu avec espoir et avec impatience les 10 jours de Dhul-Hijja qui se terminent aujourd'hui, mais avec Ayyam al-Tashriq qui se termineront mercredi, Inch'Allah, qui se termineront pardon lundi. Et parmi ces gens, parmi les musulmans, il y en avait qui jeûnaient les journées et qui priaient la nuit. Wa minhum man rakiba at-ta'ira liyahujja al-bayt al-haram فيطوف بالبيت ويسعى ويقف بمنى وعرفات وغير ذلك من أعمال الحج وطأت أرجلهم أشرف بيت وأعظم مزار وحط الله عنهم الذنوب والأوزار ما أعظم هذه الأيام بكى وعرفة ومنى ومزدلفة وأفراح العيد وأفراح العيد والأضاحى مشاعر مشاعر تعجز كل شاعر وشعائر تفيض فيها المشاعر مواطن تستجاب فيها الدعوات وأماكن تسكب فيها العبرات Et parmi les musulmans, d'autres sont montés dans des avions en direction de la terre la plus sacrée. Pour tourner autour de la Kaaba, passer leur nuit à Mina et à Arafat. Ils se sont rendus dans la terre la plus sacrée, celle de la Mecque, à Arafat, à Mina et Muzdalifa. Ardun tayyiba, wa tarikhun majid, wa hadirun zahir, wa jawun imaniyun abiq. تختلط فيها مشاعر العبودية وأصوات التكبير والتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك يا الله يا الله لبيك ما لبت لك الأفواه لبيك إن الجمع من أعماقه لبى فلبى بعد ذاك صداه لبيك إن الذنب يورث وحشة والقلب يا رحمن ما أقساه لبيك ربي فالذنوب ثقيلة من ذا يقيل الذنب إلا الله لبيك من كل الفؤاد نقولها رحمك رحمك يا الله يا الله لبيك ربي فالجموع غفيرة كل أقر بما جنته يداه لبيك ربي والحياء يهدنا العفو منك اليوم ما أرجاه لبيك ندعو والدعاء وسيلة ما خاب عبد قد سمعت دعاه لبيك واجعل من مدامعنا التي نبكي بها غسلا لما خضناه لبيك وارزقنا أعالي جنة نسلو بجيرة أحمد ونراه لبيك زدنا من نعيمك ورؤية أواه لو فزنا بها أواه الله أكبر الله أكبر الله أكبر une très bonne terre qui regorge d'histoire une très bonne terre où la concentration est à son apogée une très bonne terre où la pratique religieuse a une certaine saveur où on en entend dans le monde entier Allahu Akbar, Allahu Akbar et on en entend dans la terre sacrée Labbayk Allahumma Labbayk wa waqafa an-nasu bi'arafat fa nazala Allahu ilayhim ila samaa'i ad-dunya yubahi bihim al-mala'ika kama jaa fi hadith al-bazzar qala Allahu subhanahu wa ta'ala haula'i 'ibadi ja'uni shuhthan ghubran min kulli fajjin 'amiq yarjuna rahmati ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني فلم يرى يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة رواه البزار وزاد البيهقي فتقول الملائكة أي رب إن فلانا فيهم
وهو مرهق فقال الله تعالى قد غفرت له. Le jour là de Arafat, les gens, les pèlerins bien sûr, se sont trouvés sur cette plaine qui était bien entendu hier. Et Allah Azza wa Jalla dit dans un hadith Qudsi qui est rapporté par Al-Bazzar, Dieu descend au premier ciel et il dit aux anges, regardez mes serviteurs, ils sont venus à moi, ils ne sont pas coiffés, ils sont couverts de poussière, mais que me veulent-ils? Alors qu'ils ne m'ont pas vu, que serait-il s'ils m'avaient vu? Et le prophète dit, et le jour-là, Dieu a affranchi de l'enfer une grande partie des gens. L'imam al-Bayhaqi rajoute cette version, et les anges disaient à Rabbi, il y a aussi une personne qui est très fatiguée, qui n'a pas pu tout faire. Et Dieu lui a dit, je lui en pardonne à lui aussi. يوم عرفة وما أدراك ما عرفة يوم عظيم يغفر الله تعالى للمؤمنين حاجهم وغيرهم كل له دعاء واليدان إلى السماء وقلبه إلى الله سماء كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة le jour de Arafat. Qui vous dira qu'est vraiment le jour de Arafat? C'est un grand jour. Celui qui a raté le jour de Arafat hier a raté une grande chose. Et vous voyez dans le monde entier, vous avez vu dans le monde entier, que ce soit ici ou à la Mecque, les gens levaient leurs mains vers le ciel, priaient Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure dua, c'est-à-dire la dua qui est la plus exaucée, est la dua du jour de Arafat. Fad-dua un-nas bi-khushu'in rahib. يذكرون أرض المحشر بلباس الإحرام بلباس الإحرام الذي يشبه كفن الموتى يا واقفا تبكي على عرفات لا تنسنا من صالح الدعوات وقف الحجيج على الصعيد فكبروا فتعلق التكبير بالعبرات علت الحناجر للجليل تضرعا وتوسلا في موسم الرحمات. Et les musulmans ont fait énormément de dua avec une concentration sans précédent, où ils pensent dans ce moment dans la plaine de Arafat avec deux vêtements simples, deux vêtements blancs, où ils pensent au jour de la résurrection et ce vêtement blanc qui ressemble au vêtement que portent les morts, et bien leur dua bien entendu ne peut être que fructueuse. وصام الناس في عرفة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله رواه الترمذي. جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر وهو أفقه الناس في زمانه والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله والساعة التي نزلت فيها على رسول الله عشية عرفة في يوم الجمعة عشية عرفة في يوم الجمعة رواه أحمد. وفي رواية لابن جرير قال عمر اسمعوا قال وكلاهما بحمد الله لنا عيد وكلاهما بحمد الله لناعيد. Les musulmans également, mais ici bien entendu ce n'est pas pour les pèlerins parce que les pèlerins n'ont pas le droit de jeûner le jour de Arafat. Les musulmans ont jeûné et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jeûne du jour de Arafat, j'ai l'espoir en Dieu qu'il efface les péchés de l'année passée, de l'année pardon, qui arrive et de l'année passée. Le hadith est rapporté par Tirmidhi. Un homme parmi les israélites à l'époque de Omar ibn Khattab est venu le voir et lui a dit ya Omar, ya Amir al-Mu'minin, vous avez dans votre Coran un verset, s'il nous avait été révélé à nous les juifs, nous l'aurons pris ce verset-là comme un jour de fête. Et Omar lui a dit, quel est ce verset? Et il lui a dit, c'est le verset Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum, deuxième page de la sourate numéro 4, sourate la table servie. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous la religion, je vous ai comblé de mes bienfaits, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Et Omar ibn Khattab, qui était l'homme le plus savant de son époque, il a dit, Wallahi, je sais très bien, quand est-ce que ce verset a été révélé? Il a été révélé le jour, la nuit de Arafat et le jour de vendredi, c'est-à-dire jeudi soir, le jour, la nuit de Arafat et le vendredi. Le hadith est rapporté par Ahmad. Et l'imam Ibn Jarir rajoute cette parole de Omar qui dit et ces deux jours sont des jours de fête pour nous. Wa kilahuma lana bihamdillahi lana 'ayn. Ibad Allah,
ينبغي أن تترك هذه المناسك، مناسك الحج أعني، أن تترك فينا أثراً عظيماً وحباً لأرض الله تعالى، فيكون لنا الحماس في جمع الأموال للحج. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة، رواه ابن ماجه. ونربي أولادنا على حب الكعبة كتجسيد كعبة صغيرة، وحفظهم التلبية مثلا والعمرة معهم مثلا، وما إلى ذلك من أفكار. Ces rites du pèlerinage de la Mecque doivent laisser en nous une grande empreinte, et que ceux qui parmi nous ont la capacité, comme le prophète l'a dit, manistata'a ilayhi sabila, ceux qui ont la capacité doivent faire le maximum pour mettre de l'argent de côté pour faire le hajj, parce que c'est une prescription. Et le prophète a dit: celui qui veut faire le hajj, qu'il se dépêche, car il peut tomber malade, ou yani la monture peut se perdre. Mais ici il parle de son époque, ceux qui partaient à la Mecque. Il a dit: la monture peut se perdre, et si elle perd sa route, elle peut rater le jour de Arafah. Et également, ou tout simplement, un imprévu peut arriver. C'est-à-dire, toi, tu dis: bah, j'irai dans quelques années, mais tu n'as pas vraiment planifié la chose. Et au moment où tu veux aller, bah, tu ne peux pas, parce que maintenant tu as envie de te marier, tu viens d'avoir des enfants, etc. Et la personne doit vraiment faire le maximum pour essayer d'y aller. Également, faire aimer à nos enfants la Mecque. Et faire aimer à nos enfants Médine, et faire aimer à nos enfants à Jérusalem. Faire aimer à nos enfants toutes ces choses-là, tout simplement par le fait de leur acheter une petite table noire, acheter un tissu noir, et de leur enseigner labbaik Allahumma labbaik. Et qui disent labbaik Allahumma labbaik, c'est quelque chose de réjouissant. Et de leur faire voir justement à la télévision ou dans vos tablettes les gens qui tournent autour de la Kaaba, et leur faire aimer la Kaaba très tôt, afin qu'ils aient l'espoir d'aller là-bas. Et si quelqu'un d'entre vous a encore un peu plus de moyens, de les emmener faire une umra, tout simplement pour que cela laisse sur eux une empreinte très grande. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa fil Sunnah wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa hikma. Qul qawli hadha wa astaghfirullah innahu huwal ghafur. تهنئ الآخرين بفوزهم ونيلهم الأجر العظيم. جاء عيد الفطر بعد من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا غفر لك فهذا عيد لك، فهذا عيد لك. يعني نهار العيد للرمضان، الناس تصلي صلاة العيد وعدد ذنوبهم صفر. هادشي علاش تيعيدوا؟ تيجيو يصليو العيد والذنوب ديالهم ما كاينينش. فلهذا شرعت صلاة العيد ليهني بعضنا بعضا. ومبروك، ما عندكش ذنوب، وصحيفتك بيضاء. وجاء عيد الأضحى بعد من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا للحجاج. أما وغيرهم: صيام يوم عرفة إن يحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. سعدتكم أنتم ما عندكمش ذنوب، الحمد لله. هذا اليوم الذنوب الماضية والذنوب اللي جات. فلهذا نبشر، بعد قليل إن شاء الله سيصافح بعضنا بعضا ويهنئ بعضنا بعضا لهذا الشرف العظيم من الله عز وجل. مع عظم ذنوبنا ربما، لا أتكلم عن الكبائر طبعا، وإنما تراكم الذنوب الصغيرة تجعل الذنب أحيانا يعني ضخما. فالله عز وجل يضرب هذه الذنوب فيبدلها حسنات، وهذا ما نتمناه منه سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. Que signifie العيد mes frères et sœurs? On a prié beaucoup de prières de l'Aïd, mais peut-être qu'on n'a pas vraiment senti ce que signifie l'Aïd. L'Aïd al-Fitr, après le Ramadan, il vient après la parole du prophète qui dit: celui qui jeûne le Ramadan avec foi et espoir de la récompense, ses péchés passés, c'est-à-dire de maintenant jusqu'à ta naissance, tes péchés sont effacés. Et le jour de l'Aïd al-Fitr, les gens viennent prier avec zéro péché. Et la prière de l'Aïd, elle a ce but-là, c'est que les gens se félicitent. Mbrouk. Mbrouk l'Aïd, c'est-à-dire mbrouk, tu as zéro péché.
Dieu t'a effacé tes péchés. C'est ça que l'on voit quand les gens se félicitent. On est en train de se féliciter parce qu'on n'a pas de péché. Également pour Eid al-Adha, ce Eid qu'on est en train de vivre aujourd'hui, parce que le prophète a dit, celui qui accomplit le Hajj et ne commet pas de péché et ne commet pas de transgression, il revient de son pèlerinage comme le jour où sa mère l'a mis au monde. C'est-à-dire zéro péché. Ça c'est pour les pèlerins. Maintenant pour nous, pour ceux qui ont jeûné. Et même ceux qui n'ont pas jeûné mais qui avaient l'intention de jeûner, comme les femmes qui ont eu leur menstrue, ou les femmes qui ont leur lochie, ou tout simplement la personne qui est tombée malade le jour-là, ou bien qui tombait malade avant mais il ne pouvait pas, mais elle a vraiment envie de faire elle avait vraiment envie de jeûner, Allah Azza wa Jalla récompensera chacun. Eh bien, le prophète a dit, celui qui jeûne le jour de Arafat, c'est-à-dire hier, Dieu lui pardonne les péchés de l'année à venir et les péchés de l'année passée. Donc les compteurs iront encore remis à zéro. Et nos feuilles, et regardez bien cette image, nos feuilles, c'est comme si vous avez pris un effaceur. La feuille, elle est blanche. Vous prenez un effaceur, vous passez sur toute la feuille. Alors que la feuille, il n'y a rien qui est écrit. Vous passez sur toute la feuille. Ensuite, vous prenez un stylo plume. Dès que vous écrivez, automatiquement, ça s'efface. Dès que vous écrivez comme péché, un petit péché, bien sûr. Hein. Automatiquement, ça s'efface. Voilà ce que signifie « Ghufira lahu ma taqaddama sanata allati ba'da wa sanata allati qabla ». C'est-à-dire l'année passée. C'est-à-dire, d'aujourd'hui jusqu'au prochain Eid al-Adha, Dieu nous efface nos péchés si on a jeûné le jour de Araf. Bien entendu, un autre hadith nous dit « sauf les grands péchés ». Comme le fait de désobéir aux parents, comme le fait d'avoir un rapport charnel avec une autre que son conjoint, comme le fait d'adorer une autre divinité qu'Allah sur internet, etc., etc. Il y a un livre qui a été écrit sur Al-Kaba'ir par l'imam Al-Dhahabi, مثلا. وَحَاشَ عِبَادَ اللَّهِ أَنْ يَتْرُكَكَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَنْ يَتْرُكَ جُهْدَكَ بِلَا قَبُولٍ وَلَا جَائِزَةٍ حَاشَ أَنْ يَتْرُكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَتْرُكَكَ بِدُونِ قَبُولِ عَمَلِكَ وَلَا جَائِزَةٍ إِنَّنَا فِي الدُّنْيَا إذا سمعنا خبرا سارا ونبأ نستبشر به كولادة وزفاف أو نصر أو نجاح أو ربح فإنما نقول الله أكبر. ملي كتسمع شي حد قال لك أنا الحمد لله أنا امرأة زوجتي ولدت وأنجبت، أش كتقول؟ الله أكبر، كتفرح. ولا ولدك نجح، الله أكبر، كتفرح. ولا فلانة مشى الحج، الله أكبر، كتفرح. فلهذا الناس تيقول في نهار العيد الله أكبر، الله عز وجل غفر لنا ذنوبنا، الله عز وجل غفر الذنوب منذ ولادتنا، فنستبشر ونفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فالمسلمون يكبرون الله لأن الله وعدهم مغفرة منه وفضلا، فكبروا الله واذكروه. قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. وقال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق، يعني من اليوم حتى نهار الاثنين مع صلاة العصر، يعني أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. ماشي غير الأكل والشرب، وإنما نذكر الله عز وجل كذلك. وكما قلت في بداية الخطبة، علينا أن لا ننسى إخواننا الذين يقولون عيد بعيد. إحنا تقولوا عيد سعيد وما تقولوا عيد بعيد. مهتمين بفكرة il est inacceptable de penser que Dieu va vous laisser tomber. Ce que vous avez fait comme jeûne, Dieu ne va pas l'accepter. Ce que vous avez fait comme prière, Dieu ne va pas les accepter. C'est honteux de penser ça d'Allah. Haja, chouma. Vous rentrez chez n'importe quelle maison, de n'importe quel pixou, de n'importe quel, même quelqu'un qui vous déteste. Vous entrez chez lui, au moins il va vous offrir un verre d'eau, au moins. Alors qu'il vous déteste. Là, vous venez dans sa maison, Allah Azza wa Jalla, vous venez dans la maison de Dieu, il va vous laisser partir comme ça, zahma. Vous allez repartir avec des hasanat, des milliers de hasanat. C'est pour ça que le jour de l'Aïd également a été instauré de cette manière et institué de cette manière pour que les musulmans également se félicitent de ce grand khair qu'Allah Azza wa Jalla a accepté les efforts minimums de chacun et de chacune. Lorsqu'on entend une bonne nouvelle, qu'il s'agisse d'une naissance, d'un mariage d'un proche, de la réussite scolaire d'un proche ou de notre réussite, automatiquement, vous pouvez même l'essayer, je pense que vous l'avez même déjà fait, automatiquement dire Allahu Akbar. Foulan a une naissance, Allahu Akbar. Certes, pour les non-musulmans, c'est une phrase qui fait peur parce que certains, même s'ils prétendent s'appartenir à notre religion, utilisent ce Allahu Akbar pour tuer des innocents. Donc on dit Allahu Akbar parce qu'on sait que Dieu nous a pardonné nos péchés. Voilà pourquoi on dit Allahu Akbar les jours de l'Aïd. Allah Azza wa Jalla nous dit, mes frères et sœurs, on ne doit pas oublier ça, avec ça je termine. Dieu nous dit « وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ » Mentionnez Dieu dans des jours précis, c'est-à-dire les jours-là dans lesquels nous sommes. Et le prophète nous a dit « les jours de Tashriq », c'est-à-dire aujourd'hui jusqu'au lundi, avec l'Asr compris,
jusqu'à lundi avec l'Asr compris, sont des jours, le prophète avait dit donc, sont des jours où on mange, où on boit et où on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas oublier de mentionner Allah azza wa jalla. C'est pour ça qu'après chaque prière obligatoire, dès que les mains disent salam alaykum wa rahmatullah, salam alaykum wa rahmatullah, tout de suite Allahu akbar, Allahu akbar, jusqu'à l'Asr de lundi. L'Asr compris, bien sûr. Également, comme j'avais dit au tout début, ne pas oublier la cause de nos frères en Birmanie, car ils connaissent, il y a un supplice en ce moment. Il n'y a pas que la Birmanie, bien sûr, mais en ce moment, c'est vraiment ce qui fait la une de nos presses. Toutes les fois qu'une personne civile est tuée, qu'elle soit musulmane ou pas, on doit être indigné. Et ici, bien entendu, comme la minorité qui est la plus persécutée aujourd'hui, à l'époque, c'était nos compatriotes juifs, maintenant, c'est les musulmans, on a forcément de la peine pour nos frères musulmans ici en Birmanie. Et on doit penser à ces gens-là. Ici, on dit Eid Saïd, Eid Mubarak Saïd. Eux, ils disent Eid, il est très loin. Eid Baïd. Mais malgré ça, ils s'efforcent de s'acheter, d'acheter des jouets pour leurs enfants alors qu'ils n'ont rien du tout. Ils essayent de faire quelque chose pour qu'il y ait de la joie dans leur jour de fête. Tout à l'heure également, j'ai parlé de faire des petites maquettes, des Kaaba maquettes pour nos enfants, pour leur faire aimer la Mecque, etc. Mais également leur acheter même des maquettes 3D de Jérusalem, pour ne pas qu'ils oublient Jérusalem. Leur faire écouter même des nashid palestiniennes, leur acheter des vêtements palestiniens à nos enfants. Mais surtout gâter les enfants, n'oubliez pas ce jour-là, c'est qu'il faut gâter les enfants. Offrez-leur un jour même symbolique. Lorsqu'ils seront à l'école, surtout les enfants, ils sont très sensibles sur ça. T'as eu quoi Noël? Moi j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Et toi Mohamed? Moi j'ai eu rien. Non. Eux, ils disent non, on ne fête pas Noël. On respecte votre fête, bonne fête à vous, joyeux Noël pour vous. Mais nous, moi j'ai eu quelque chose pour le jour de l'Aïd. Alhamdulillah, je savais quoi, moi j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu un truc personnalisé, j'ai eu un mode foot à mon nom, j'ai eu Ohakada. Et ça vraiment il faut pas, les enfants sont très sensibles sur ça, et je me souviens quand on était petit, nous nos parents nous gâtaient avec les vêtements. Et c'était vraiment la chose la plus immense. Mais si les enfants veulent des vêtements, on leur donne des vêtements, s'ils veulent d'autres choses, des jouets ou autres, on leur donne bien entendu cela. Et bien entendu, les enfants ne vont pas oublier. La preuve, je viens de vous le dire, quand j'étais petit, mes parents nous ont acheté des vêtements, etc. C'est ce qu'on voulait, on dit on veut ça, on veut ça, on veut ça, et on n'oublie pas ça. Vous croyez que quand eux vont grandir, ils vont oublier les cadeaux que vous leur avez faits? Allah, ils ne vont pas l'oublier. Et ça, c'est très important. Barakallahu fikoum. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Qala 'alayhi as-salatu was-salam, salli 'alayhi salatan sallallahu 'alayhi biha 'ashara. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin. Innaka Hamidun Majid. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والظلم والظالمين. اللهم من اراد بالاسلام خيرا فوفقه الى كل خير واعصمه من كل ضير ومن اراد غير ذلك اللهم فخذه اخذ عزيز مقتدر. اللهم يا رب العالمين احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم امنهم من خوف. اللهم اطعمهم من جوع. اللهم علمهم من جهاله. اللهم اهدهم من ضلاله. اللهم ليس لهم الا انت. اللهم احفظهم يا رب العالمين. اللهم امن دورهم يا رب العالمين. اللهم امن دورهم يا رب العالمين. اللهم امن دورهم يا رب العالمين. اللهم احفظ اخواننا المسلمين في بورما ميانمار. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي غزه. اللهم احفظ المسجد الاقصى. اللهم احفظ المسجد الاقصى. اللهم اصلح حال اخواننا في الشام، واصلح حال اخواننا في اليمن، واصلح حال اخواننا في دارفور، وحال اخواننا في الصومال، وحال اخواننا في كل مكان يا رب العالمين، في كل مكان يذكر فيها اسمك يا الله. اللهم يا حي يا قيوم بيضت وجوه اخواني في هذا اليوم، ونسألك اللهم أن تبيض وجوههم ووجوهنا يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اجعلنا في الدنيا والآخرة من السعداء. اللهم اكتب لنا في هذه الدنيا الخير العظيم والخير العميم. اللهم ادخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا المسجد ومن بناه ومن ساهم في بنائه ومن صلى فيه ودعا فيه ونظفه يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام احفظ وارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم من كان معنا في العام الماضي اللهم فارحمه برحمتك الواسعة. اللهم إن كان في سابق علمك أننا سنكون في قبورنا في العام المقبل اللهم فاجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ومده مد بصرنا يا رب العالمين، واجعله خيرا من دنيانا ودارنا يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل هذا البلد آمنا واجعلنا فيه من الآمنين. اللهم اجعلنا في هذا اليوم العظيم نستبشر بمغفرتك ورحمتك.
اللهم قل لنا في آخر هذه الخطبة: انصرفوا عبادي مغفورين لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. آمين آمين. بارك الله لنا ولنا ولكم جميعا في هذا اليوم المبارك، وعيدكم مبارك وسعيد.